Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Horizon Forbidden West avec l'épisode 27. Évidemment installez-vous confortablement. De plus en plus et il commence à faire froid. Je dois plus être loin de Garde-Pierre. On est parti pour Garde-Pierre, voilà, elle vient de le dire. Je dois avancer jusqu'à ce que ma respiration s'arrête. Et ça, c'est insane. On a un bâtiment inconnu juste ici. On a un sanglier. Ok, on a un feu de camp. Juste au-dessus, c'est le camp abrupt. Très bien. Qu'est-ce qui se passe? Des gens se couravent. Des gens se battent gratuitement. J'adore. On a un établi. Ok. Alors, utiliser établi, amélioration, tout ça. Ça me plaît, ça. Avoir plus de potions. En vrai, j'utilise pas assez les potions. J'utilise pas assez les popos. C'est dommage quand on y pense. Vous en pensez quoi, vous? Mais bon, écoutez, on l'améliore. Au moins, c'est fait. Au moins, c'est fait. Très bien. Ok. Fabrication de pièges aussi. À la limite. Les bonbons concentrés, fixes, ok. Ouais. J'utilise pas encore assez les pièges, je vous avoue. Ça, je peux. Est-ce que ça vaut le coup? Oui, on peut se faire ce petit plaisir, attendez. Boum, voilà, ça c'est fait. Performance accrue. Et le reste, on l'a pas. Très bien. Très, très bien. Et amélioration d'armes, qu'avons-nous là? Hop, et bien qui voilà. Ouais, bon, on n'a pas grand-chose à améliorer. Là. Très bien, qui se bat là? Mais les gars, mais il faut pas se battre comme ça. Oh, vous êtes malade. Faut pas faire ça, les gars. On fait business, toi et moi? Acheter. Qu'est-ce que je peux lui acheter au petit coquinou, là? Hein? J'ai combien en thunes? Ok, tout ça, ça veut dire que ma sacoche est pleine. Il veut quoi lui en échange? Des fourchettes de hibou? Non, vous abusez les gars. C'est beaucoup trop ce que vous demandez, vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Très bien, rien d'intéressant, on se casse. Excusez-moi. Oh, excusez-moi. Voilà. Allez, salut les gars, passez une bonne journée. Hein. Battez-vous. Vous ne savez faire que ça. Allez, go. On sauvegarde. Et on est parti. Oubliez pas qu'on doit attendre que notre respiration se coupe. What? C'est quoi ça? Oh, galop-griffe. Oh là là, c'est chiant les gars. Encore une nouvelle espèce. Des galop-griffes. Je suis sûr qu'un cuisinier pourrait en faire quelque chose. Et ça, ça a l'air hyper important. Des blanches baies. Ok. Quoique j'ai envie de me le faire, lui. Hein. J'ai envie de me le faire, le merdier, là. Hein. Mais je pense que je vais encore m'engager dans un truc chelou. Ok. Je vais pas me le faire. Ok. Allez, salut. Ça, on prend aussi. On prend tout, hein, rien à péter. Hein. Là, on est censé avoir un feu de camp, ou ça? Je descends. Ok, il est où le feu de camp? On peut faire, rien à péter, hein, non? Ok, zone de chasse. Une petite pied-pierre. Yo les gars, ça va ou quoi? La famille, tout ça, tu connais? Le mont abrupt, c'est là où aura lieu l'épreuve, I suppose. On continue. Ça, on prend les blanches baies. Ça a l'air cool. Quoi? Attends, je vais atterrir sur un front là, qu'est-ce qui se passe? Ok, let's go. Let's go. Je vais où là? Où vais-je? C'est les problèmes, ça. C'est une montagne. Aucun sens. Ok.
Ok. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Et là... Oh, le ciel, c'est beau. Oh, le ciel, c'est beau. C'est beau. Yo, les gars. Ça va ou quoi? Pas un pas de plus. Les Ténacs n'acceptent pas les étrangers sur les terres des clans. J'ai reçu un droit de passage du maréchal Fachav. Je ne viens pas me battre. Ses cheveux de sang. C'est la guerrière qui a vaincu Groda, le champion de la traîtresse Regala. C'est pas à nous de prendre sa vie. Tu peux entrer, mais ne fais pas de vagues. On t'a à l'œil. Je tâcherai de m'en souvenir. Garde-pierre. Sûrement garde-pierre. Bienvenue. Othello doit déjà m'attendre. Mais je devrais visiter un peu avant. Waouh, effectivement, il y a beaucoup de choses. Des rumeurs? Viens, Bibiche, raconte-moi. J'écoute tes rumeurs. Sûrement des ruines et tout. On écoute, comme ça au moins. Tu sais, Oriental, tout le monde parle de ce que tu as fait pour mon peuple. J'aimerais te rendre service, si je peux, en te prêtant mes yeux et mes oreilles. Rien ne se passe dans la région sans que je sois au courant. D'ailleurs, je voulais te dire... Si tu cherches des rations qui tiennent au corps pour emporter dans les terres sauvages, tu devrais passer à Alit. C'est un village du désert, à l'est d'ici. Il y a un grand lac, tu peux pas le rater. La cuisinière locale, Pentala, cuisine pour tous ceux qui ont besoin de nourriture, Ténac ou pas. Merci de me l'avoir dit. J'irai la voir si je passe par là-bas. Ok, nouveau service personnel, le goût de la viande, on a quelque chose ici. On a un vendeur, donc herboriste, ici. Nous avons un cuisinier ici, un établi ici, un vendeur d'armes ici. Des packs, des fumigènes, de la canne à sucre. Très bien. Rien de fou pour... rien de fou pour moi. Rien de fou pour moi. Et qu'est-ce que c'est que ça? Oh, faudra jouer à... Attaque! Faudra se faire une petite game avant de finir le let's play, les potes. Ça pourrait être très très cool. Ok, allez, c'est parti, on continue. Cette vallée est infestée de rebelles de Regala. Ils font passer des machines par là depuis des jours, d'après nos éclaireurs. Ils les chevauchent. Ou marchent à côté et ils pillent même leurs pièces parfois. Surtout les canons. Il ne sera pas simple de passer. On devrait y aller. On m'a ordonné de te mener au rempart pour que tu parles à tes côtés. Espérons que ça suffise. Pas si vite. Il me faut un peu plus d'informations. Parle-moi de ce lieu. Garde-Pierre avait un rôle d'avant-poste, quand les clans se battaient entre eux. Il est censé garder l'accès à la vallée, et permettre de surveiller le contrebas. En gros, garder un œil sur les forces de Regala. J'aimerais qu'on ait assez de soldats pour faire plus que... regarder. Wow, j'ai fait tomber ma manette là, trop de pression. Ok, excusez-moi. Espérons que ça suffise. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le rempart n'est jamais tombé depuis que le clan existe. Avec lui, tes côtés est persuadé d'être invulnérable. S'il a décidé de désobéir à Ekaro... Une étrangère et un maréchal manchot ne pourront rien y faire. Ton chef semble penser le contraire. Et c'est l'unique raison pour laquelle je consens aujourd'hui à te parler. Pourquoi tu es si sûr que tes côtés ne voudra rien savoir? Bah ça dépend s'il est à tes côtés. N'entend que son propre sifflement. Tu te bases sur un simple dicton? Et Caro a dit que tu venais du clan du ciel avant de devenir maréchal. Fais-moi profiter de ton savoir. Tes côtés
n'est qu'un fourbe et un intrigant. S'il avait du courage, il aurait déjà défié Caro. Au lieu de ça, il convoite sa position depuis le rempart, où il se tourne les pouces, espérant que ses ennemis tombent tout seuls. Cette réponse te convient ? Pour le moment. Tu étais à l'ambassade ? C'est vrai. Je suis navrée pour les autres maréchaux. Leurs morts ne resteront pas impunies. Tu n'es pas guérie. Je ne le serai jamais. Mais ça ne m'empêchera pas d'aller fracasser des crânes, ça non. Contente d'être ton alliée, alors ? Arrête de faire le gars, toi aussi. Bon, quel est le plan ? Le rempart se trouve au sud-ouest. Nous rencontrerons inévitablement d'autres troupes de Regala en chemin. Nous allons devoir les écraser, ou bien passer sans nous faire repérer. Ce sera loin d'être facile. Comme toujours. Nous devrions y aller. Il fait le gars un peu, le mec, hein. Allez, suis-moi. Let's go. Hop, une petite save rapide, ça mange pas de pain, c'est gratuit, les gars. C'est gratuit. Let's go. Vas-y, je te suis, mon pote. Ok, il y a du monde là, il y a des gardes. Est-ce que moi je peux y aller en planant sinon? Comment tu comptes convaincre tes côtés d'envoyer ces candidats? Je n'y compte pas. Allez. Les Ténac respectent la lame et la puissance du guerrier qui la manie. À quoi servirait quelqu'un qui n'en a pas? Heureusement pour nous, on est doués au combat. Mais espérons qu'on n'en arrivera pas là. Il y a de grandes chances qu'on en arrive là. Ok. Très bien. Alors, toute cette vallée appartient au clan du ciel ? Oui. Le clan l'a protégée pendant des générations. Contre qui ? Les autres clans Ténac. Et même les Karja, il y a longtemps. Si tu veux un cours d'histoire, adresse-toi au chapelain. Quand tu as quitté le bosquet, comment tu savais que j'allais accepter d'aider Ekaro ? Lorsque le chef veut convaincre quelqu'un, il y parvient. Toute cette neige est tout fait bruit. Oh, attends, il y a une... Attends, bichette, on est où là? On va où là? Qu'est-ce qu'on fait là? On s'est perdu parce que regarde. Les rebelles. Ça, je vais le prendre. Ils piratent cette machine. On dirait que tu as quelque chose. Tu l'es. Nous comptons aller. Je te suis. Sont en train de geler. Ils se rapprochent. Tu veux aller voir par là ? Oh, ils ont là la technologie. Bon. Arrête. Voilà, c'est normal qu'ils soient pas cramés, hein, vous l'aurez compris. Ok, hop, c'est contourné, ça dégage. Hein. Rien à péter. Ils ont encore des soupçons. Ah non, mais je dois les tuer quand même. Bah, il a dit tu les ou contourne-les, frérot. Qu'est-ce que tu fais là? Ok, pas mal. Mort. Ok, pas mal. Putain, je vois que dalle avec son bouclier de nuit, frérot. C'est un phare. Putain, la vache. Ok. C'est pas bon, ça. Merci. Putain, vous voyez que dalle.
pour pot de soin. Pas pouvoir me surprendre, c'est ça? Ok. Très bien. Très très bien mon petit pote. Si tu vas mourir très facilement, tu vas voir. Mort. Ok. Bien wesh. Dans mon sac. Je mets des choses dans ma besace. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Je vous laisse lire. Attends, ça, faut peut-être penser à le prendre, ça. Les fameuses fleurs azurées, j'en ai que 6 en plus. Ces rebelles rassemblent des pièces de machines, peut-être pour procéder à d'autres piratages. Et tes côtés ne comptent rien faire? Pourquoi se fatiguerait-il alors qu'il a le rempart? J'ai grandi derrière le mur. On en retire une fausse impression de sécurité. On va où là? Tu m'emmènes où mon ref? D'autres rebelles. Quoi? Dans la clairière. Passe devant. Ça, c'est embêtant. Qu'est-ce que ça donne? M'endormir sur place. Ça, c'est embêtant. Je vais devoir nettoyer mes vêtements. Achever cette vermine. Ok. Hé, hey, tu vois quelque chose? En nerveux, là. Viens encore! Est-ce que son cœur bat toujours? C'est pas mal, ça. C'est pas mal du tout, ça. Ça me plaît. J'aime bien. Ok. Bon, le fait que l'intelligence artificielle, évidemment, soit pas cramée, c'est normal. Sinon, ça aurait rendu le jeu littéralement en enfer. Ça aurait été insupportable. Reviens, si tu l'oses. Fausse alerte. Ok. Des signes de l'ennemi? Si seulement l'ennemi se montrait. Oh. Eux deux, je me les ferai à main nue, je m'en bats les couilles, mais c'est lui là qui m'intéresse le plus. Quel enfer. Je pensais qu'on pourrait se battre. Tu l'as vu. Bon, directement, c'était pas si mal. C'était quoi ça? Indirectement, c'était pas si mal.
Ok. Ça devait être un animal. On a dû lui faire peur. C'est fini. Où est le feu? Je dois me réchauffer. Incroyable. Voilà, bon. GG Wellplay. Allons-y. Aucun souce. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas 50 000 trucs comme ça, par contre, ça sera embêtant. Hop, parfait, on save. Ça active un point de sauvegarde. On s'est pas fait toucher, on s'est pas fait cramer. C'était très très beau, une belle phase d'infiltration. J'aime bien, ça m'a plu. On continue. Allez, dis-moi que c'est la dernière phase, c'est trop trop beau ici. En fait, dites-moi un endroit où c'est pas beau dans Horizon, ouais. Oh, ça a l'air d'être... C'est bon, là? On a l'air d'être tranquille? On a l'air d'être tranquille? Regarde-Pierre, tu as dit que les rebelles passaient par là depuis plusieurs jours. Quand tes côtés réalisera qu'il n'a plus l'avantage, toute la vallée risque d'être envahie. Si je ne me préoccupais pas du reste du plan, j'aurais hâte. Hâte de voir sa fierté s'effondrer. Ah, bon. On pourra peut-être le faire changer d'avis. Le voilà. Le rempart. Dis-moi quand tu seras prête et j'irai nous annoncer. Hop, rien à péter. Viande de hibou, mon pote, crois-moi que c'est utile. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, ici on a des petits îles. Nous ne devrions pas traîner. Attends, attends, j'ai peut-être. Oh là là, oui. Ok. Tout ça faut prendre. Ça va être important pour la grande guerre ninja qui se prépare. Let's go, on peut aller lui parler. Du temps à attendre ici. Calme-toi. Quoi, là? Un maréchal demande une audience avec le commandant du clan. Je ne savais pas qu'il restait des maréchaux. Nous défendons la route de la montagne. Où les ailes des dix nous trouveront. Bien, maréchal. Je te renvoie l'ascenseur. Côté, c'est moi qui parlerai. On va voir comment ça se passe. Enfin rentré. Tu vivais ici, alors? Il y a très longtemps. Suis-moi. Ok, putain, c'était violent. Oh, attends, hein. Ah, moi, mon objectif, c'est d'avoir tous les feux de camp, mon frérot. Hein. Allez, go. Attendez. Oh là là, il y aura tellement de feux de camp sur la route. Oh, po. Allez, mon ref. I follow you! Bonsoir. Putain, ça doit cailler là-haut. Hein. Qu'est-ce qu'il fabrique avec la, la, là-haut, le taux de mort par grippe doit être phénoménal, hein, vraiment. D'ailleurs, vu qu'ils n'ont pas de médicaments, ah si, ils ont les plantes médicinales. En vrai, il faut pas oublier que des médicaments sont faits très souvent à base de plantes. Bon, il y a aussi de trucs un peu chimiques depuis le temps. Hop, attendez, attendez, attendez. Si on peut faire affaire avec le tailleur... Si je fais comparer... Putain, mais mon armure est encore mieux, mais c'est n'importe quoi. Ça arrêtera jamais.
Oh, regardez. Regardez ce que je viens de comprendre là. Inventaire, tenue. Mais alors attendez, là vraiment, le doute m'habite. Ici, il faut juste faire carré, modifier les bobines. Pas de soucis, hein, vous l'aurez compris. Mais... Ah, ça m'énerve là, ça m'énerve, attendez. Mais sur la tenue, je ne peux pas en fait. Pourtant, il y a un putain d'emplacement de vide. Ah, c'est du tissu. Modifier les tissus. Ah, mais qu'est-ce que je suis con. Excusez-moi, c'est de ma faute. Augmente votre défense contre les dégâts rapprochés. Très, très bien. Allez, go. C'est de ma fucking faute. J'étais juste à peu. Voilà. Une étrangère et un maréchal manchot. Un vrai festival. Ça me rappelle l'endroit où j'ai grandi. Je sais pas ce qui était le pire. Quand il m'évitait ou quand il m'observait, les yeux ronds. Dans l'immédiat, je suis... Ok, parlez aux gardes. Nous sommes venus voir tes côtés. Laissez-nous entrer. Le puissant fils du clan du ciel revient. Béthis soit loué. Ton chef a ordonné que tous les candidats au Cool Route soient dépêchés au plus vite. Nous venons nous assurer que tes représentants ne se perdent pas en chemin. Je vois. Regala a dû porter un sacré coup à notre chef pour qu'il vous envoie tous deux comme messagers. Cette femme a vaincu le champion de Regala, Gruda, à l'ambassade. Elle s'est battue vaillamment. J'ai eu le bon sens de tenir nos hommes à l'écart de cette ambassade. Tout comme maintenant j'ai le bon sens de ne pas envoyer nos candidats. S'ils doivent se battre, ce sera ici, pour défendre nos murs, notre clan. Ton mur ne te protégera pas. Pas contre les machines que contrôle Regala. Elles se dressent déjà à tes portes. Et que sais-tu au juste des attaques que le rempart a essuyées? Du sang qui attachait nos pierres? Je sais qu'il n'était pas destiné à protéger les lâches. Tu étais un grand guerrier autrefois. Mais c'est du passé. Tu peux dire à Hecaro que, sauf son respect, nos précieux candidats resteront ici, et ceci tant que le rempart assurera notre sécurité. Ah ! On a fait tout ça pour rien ! On ne peut pas raisonner avec lui. On va devoir le tuer. Pas facile avec ces hommes autour. Est-ce que tu m'écoutes ? Tant que le rempart assurera notre sécurité, a-t-il dit. Attends-moi. Je vais jeter un petit coup d'œil à ce mur. Quoi ? Pourquoi ? Ok, alors qu'est-ce qu'elle a prévu aller au pied du rempart ? Ouais. Ce mur n'est peut-être pas aussi robuste que le pensent tes côtés. Il faut que je descende à sa base pour vérifier. Oh, allez. Faire mieux que ça. On va faire quoi là? On va. Déjà, étranger. On va casser le merdier. Rien pour attendre. Ok. Il va falloir que je m'éloigne un peu du mur pour pouvoir le scanner. Bon, les flemmes. Flemme. Voilà. Allez, je dois scanner ce mur. Oh, l'air est glacial. Ok. C'est ce que je pensais. Il y a du métal coincé là-dedans. Toute cette roche m'empêche de scanner correctement. Je dois me rapprocher. Mais comment ? Bah, avec nos petits pieds. Je peux grimper sur le côté gauche du mur, près de cette cascade.
on va essayer. Il y a encore des interférences. Je dois me rapprocher. Il existe peut-être un moyen d'entrer à l'intérieur. Pas de soucis. Bien venir cette eau. Ah! Ah ouais, ça va créer une dinguerie, ça, je reconnais. Mais là, en fait, on prend le risque de mettre tout le monde en danger. Oh, bah allez, pas les couilles, hein, c'est la vie, les gars. Hein. C'est la vie. Il coule à l'intérieur du mur. Ouais, je crois. Vers une caverne. Attends, j'ai pas fait gaffe. J'avais pas fait gaffe, on va où là comme ça? Bon, et si je scannais à nouveau un noyau d'énergie? Je parie que si je le fais exploser. Mais comment? Bon, je peux rien faire d'autre ici. Je ferais mieux de retrouver Kotalo. Ok. On va récupérer, on va retrouver Kotalo. On va save et on va s'arrêter là. Et on continuera évidemment lors du prochain épisode. Toi-même, tu sais. Kotalo, t'es où mon ref? Kotalo, Kotalo. Hop, cascade. Ok. Laisse-moi te raconter, petit. Les gardes disent que tu rôdes autour du mur comme une vermine. Par les 10, mais qu'est-ce que tu manigances? Tekote a dit qu'il n'enverrait pas ses candidats tant qu'ils seront en sécurité dans le rempart, n'est-ce pas? Je m'en souviens. Alors, on va la battre. Tu t'es cogné la tête quelque part? Je suis sérieuse. Il y a une structure de l'ancien monde coincée là-dedans, avec un noyau d'énergie. Je peux le faire sauter si j'arrive à traverser les premières couches de roches. Même si ce que tu racontes est vrai, il te faudrait un canon pour faire ça. Tout à fait. Et tu as dit que les rebelles en récupéraient sur des machines dans la vallée. Allez. Non. Je refuse de jouer un rôle dans cette farce. Et Caro t'a donné l'ordre de m'aider. Tu oserais le défier comme le fait ce crétin arrogant ? C'est une comparaison peu flatteuse. Je l'aime bien, ce gars, finalement. Je l'aime bien. Allez, don't save ! Peut-être un camp, on en reste. Et ensuite, on va tous les affronter à nous deux. Quelque chose comme ça, oui. J'admire ton courage. Faute de pouvoir admirer ta logique. Alors, plutôt avec tes côtés, on aurait dit qu'il y avait une certaine tension entre vous. En effet, si par miracle ton plan fonctionne, je t'en dirai peut-être plus. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire et on se retrouve pour la suite de notre aventure. Et on va voir si on va réussir à rallier le camp. Et on va surtout fouiller le bunker où il y a Ether, évidemment l'une des intelligences artificielles. Bisous tout le monde, bye bye.